Du haut du cap Canaille surplombant la Méditerranée, on aperçoit un yacht échoué, posé de travers sur les rochers et battu par les vagues. La journée se termine, des familles prennent l'apéro. Tout au bord de ces à-pics de près de 400 mètres, Marina Kay et son promis Grégory viennent souvent s'y balader. Ils n'habitent pas très loin de Cassis, dans une maison située en pleine garrigue, proche des Calanques, et ils se sont croisés pour la première fois il y a à peine plus d'un an. Nous nous sommes rencontrés très exactement le 16 juin 2022, précise la chanteuse, révélée en 2011 à l'âge de 13 ans via l'émission La France a un incroyable talent, puis avec son tube Homeless. Ce soir-là de juin 2022 donc, le même Grégory se rend à une soirée à Marseille avec un ami. Tandis qu'ils sont sur le départ, ils entendent derrière eux deux filles rire bruyamment. Les deux copains se retournent, l'une d'entre elles est une connaissance commune, l'autre pas. Marina et Grégory se saluent et se mettent à discuter sur le parking, et ils ne se sont plus quittés depuis. Je savais ce que chantait Marina mais pas qui elle était, affirme Grégory. Mes connaissances musicales sont plutôt approximatives. Un peu plus tôt dans la journée, Marina et Grégory faisaient un tour main dans la main sur leur plage préférée en contrebas. Un endroit peu fréquenté, avec des galets et des blocs de pierre, à laquelle on accède par un escalier aux marches irrégulières. Au bord de l'eau, Marina Kay, qu'on entend beaucoup ces derniers temps avec son tube Even Bound, se souvient, quelques jours après notre rencontre, je devais partir chanter à Genève où j'habitais à l'époque, puis pour Stockholm enregistrer mon nouvel album. Ni une ni deux, Grégory a alors pris le volant 5 heures durant afin de la rejoindre. Brièvement, avant qu'elle ne décolle pour la Suède. Et, à son retour de Scandinavie, Marina n'est pas repassée par Genève. Elle a pris un vol direct pour Marseille, j'ai su que je ne reviendrai plus en Suisse, ou alors pour y aller chercher mes affaires. J'y vivais parce que j'ai du mal avec Paris, et parce qu'à l'époque je ne me sentais pas bien à Marseille, une ville qui m'a finalement manqué. Ils seront mariés civilement ce mois d'août, puis religieusement un an plus tard. Grégory, 33 ans, constate, on peut trouver ça rapide, mais pas pour nous. Nous avons tout de suite vécu ensemble et, pour nous, ce mariage est une évidence. Marina, 25 ans renchérie, nous n'avons pas de cap à passer, on ne se jauge pas comme d'autres couples et nous ne faisons rien sans l'autre. Dans le fond, je n'ai pas l'impression que nous nous sommes rencontrés, plutôt que nous nous sommes retrouvés, comme deux âmes sœurs. Le soleil réapparaît, les cigales se remettent à chanter. La canicule semble avoir fait un temps une courte pause fin juillet dans ce sud de la France dont ils sont tous deux originaires. Là-bas, Grégory dirige avec son associé un cabinet d'infirmiers à domicile. Il est son propre boss, travaille une semaine sur deux. L'autre semaine, il accompagne Marina partout où elle va. Je suis très nerveuse par nature et Grégory m'aide à être plus détendue, affirme cette dernière. Surtout dans la vie de tous les jours. Dans le boulot, je me sens capable de tout, rien ne me fait peur. En revanche, dans la vie courante, je suis très stressée. J'ai plein de tocs et je ne supporte pas le désordre, les imprévus. J'ai l'impression qu'au fil du temps, ma normalité s'est inversée.
Depuis ses 13 ans et sa victoire à incroyable talent, Marina Kaye n'a en effet cessé d'enregistrer des albums et de se produire sur scène. Au final, elle bosse depuis plus longtemps que moi, elle n'a pas connu l'insouciance de l'adolescence, constate Grégory. Et Marina d'ajouter, avant de le rencontrer, je n'étais pas capable de passer une journée sans rien faire. J'avais une notion toxique de l'amour et je vivais au quotidien comme un fantôme. En quelque sorte, Grégory me rééduque. La nuit est tombée sur Cassis, Marina Kaye a commandé des linguinés aux palourdes dans un restaurant de bord de mer. Grégory décrit alors son boulot d'infirmier auprès de personnes en fin de vie, sa fatigue lorsqu'il revient à la maison, la difficulté dans son métier à absorber les problèmes des gens sans pour autant en être trop atteint. Marina l'écoute, loue son empathie comme sa générosité. Puis elle explique que, dans son prochain album, il y aura des chansons d'amour. Un exercice qu'elle peut, désormais, se permettre. Elle évoque aussi sa future maternité, il est hors de question que notre enfant monte comme moi sur scène à 14 ans. J'ai même entamé une psychothérapie pour ne pas lui transmettre mes traumatismes, et j'ai bon espoir de devenir de plus en plus zen. Grégory sourit, lui assure qu'elle progresse, la rassure encore une fois. Décidément, ces deux-là se sont bien trouvés. Son nouvel album Heavenbound sortira début 2024. En concert le 28 mars 2024 au Trianon, à Paris 18. Cet article est à retrouver dans le Gala N-degré 1574, disponible jeudi 10 août 2023. Crédit photo, droit d'auteur Emmanuel Bourneau.